Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, on va se faire une petite trace qu'on connaît pas en format GPX. On va voir ce que ça donne, apparemment c'est sauvage. En plus c'est rentrée scolaire pour moi, nouveau sac, nouvelles chaussures, que du bon. Allez, à tout de suite en vidéo. Allez, on est en mode guidage, on commence par une petite route goudronnée tranquille dans les champs. Il fait frais, il fait bon, on est au top. La puissance, il a la puissance. Eh oui, tout en puissance. Allez, c'est parti pour des petits singles montants. Pas trop chaud parce qu'on est à l'ombre, c'est top. Qui c'est qui a dit que ça montait pas? Ah putain! Toujours aussi sympa, on continue l'ascension. On est enclapé dans les arbres, il fait frais, on est bien. Les oiseaux chantent. Que du bonheur les amis. Bon, à mon avis, la trace, ça fait un moment qu'elle n'a pas été faite. On se retrouve dans la jungle. Et ça fait partie des petits plaisirs de découverte, tout ça. Ah, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez pris des traces que vous ne connaissiez pas et vous êtes retrouvé un peu dans des situations catastrophiques. Pour ça, même si c'est de la montée, c'est des petites pépites en single. Ça, j'adore ça. J'ai l'impression d'être... dans la montagne, magnifique. Même en descente, c'est la jungle. Ah, ah, les ronces, sa mère. Ouh. Ah putain, j'ai 4 paires d'avance de plaquettes, moi, tellement je les use. Oh l'enculé. Même pas j'essaye. J'avais pas l'élan, j'avais pas la vitesse. Bon là on essaye, mais à mon avis j'ai été optimiste, mais maintenant je peux plus me dégonfler. Allez. Allez, c'est bien. Et non. Alors là. Vous voyez, essayer de me suicider la fois. Alors tu t'es arrêté, je vais. Oh l'enculé derrière. Oh non. Ah, je rentre. On a tous essayé, mais même pas on a fait 5 mètres. Qui sur le vélo. En espérant que la descente soit au rendez-vous. Bon alors, cette première partie de sortie là. Un peu grimpant. Mais manque la machette. Ouais. Manque la machette et... 14 km, 10 de place sur des routes, 4 de bosses à pied. Non, c'est sympa. J'ai oublié mon chapeau, c'est et très mon joli. Ça... Une petite descente encore sur la piste large. Pour l'instant, un petit single descendant, il s'y attend. Hein. Et il ferait du bien au moral. Ah, il est un peu plus cassant. Mais bon, c'est pas ça encore. Hein. Bon après cette petite descente mitigée, on va se repartir pour une longue montée en espérant que la prochaine soit à la hauteur de nos attentes. Ouais.
En revanche, c'est magnifique. Ah, c'est beau, hein. Ah, superbe. Ça descendouille encore un petit peu sur une piste large. Par contre, le décor est magnifique. Ça vaut le coup d'œil. Même si on se fait pas trop plaisir en descente jusque là. Pour le moment, c'est vraiment, vraiment magnifique. Apparemment, on a croisé un marcheur. Il nous a dit que là, ça allait être tranquille. Après, il y avait à avoir une grosse montée et une descente magnifique. Donc, on se rattrapera dessus en espérant qu'on la prenne. Petite pause ravito au milieu de la montée. Bon, la longue ascension est terminée. Là, on est arrivé sur le plateau de je sais pas où. Anis. Un plateau d'Anis. C'est pas Anis. Hein. Voilà. C'est pas mal. Là, c'est un peu plus roulant. On devrait récupérer encore un petit tronçon de montée. Et derrière tout ça, il devrait s'ouvrir à nous une descente magnifique et surtout technique. Histoire de qu'on soit un petit peu. Qu'on en ait un petit peu pour notre argent. Comme c'est magnifique. Tout à l'ombre, il fait frais. On est bien. Ah, j'espère que vous vous régalez tout autant sur votre sortie de ce week-end. Bon, mais pour l'instant, ça reste de la large piste. Un peu déçu. Ah, ça se rétrécit un peu. Youhouhou. Voilà. Attention, il y a un tracteur au milieu. Ah, eh ben enfin. Ah. Oh putain, voilà. Ouh, une roue avant qu'il s'en va. Eh ben, il a fallu attendre tout ça pour avoir le Graal. Oh putain, non, c'est la roue avant, elle tient mes couilles. On a ouvert un cran les compressions. Vas-y, teste pour essayer de récupérer un petit peu plus de grip dans des fonciers parce que là, ça va pas. Oh, joli. Petit camp, les compressions, ça va beaucoup mieux. Ah, faut le tenir là. Il a tendance à partir à droite et à gauche. Mais c'est que du bon. Enfin, mieux que la DFCI. Ça va, je me régale là-dedans. Ah, là, tu peux aller le plus vite. Bon, surtout quand tu as des dés devant. Mais cette technique, faut piloter, c'est pas plus mal. Voilà, papa. Allez, papa, au revoir. Yeah. Ah, il a branché dans l'œil. Dans la tronche, pardon.
papa. Olé. Bon voilà, elle était là cette putain de descente, ça fait du bien parce que là au moins on a pu se régaler. C'est ça. Ça a pris de jaune. Joli. Alors, regardez-moi comme c'est beau. Tiens, retour tranquillou, petit chemin. On se retourne en voiture après cette belle descente. Bon ben voilà, sortie découverte, trace GXP fini. Une belle petite sortie. Pour ma part, il m'a manqué une petite descente technique au départ quand même, hein, mais la dernière était quand même bien belle et on a eu des panoramas quand même assez magnifiques. Donc voilà, petit apéro de fin comme d'habitude. Pour les forts temps mérités. Et moi je vous dis ciao tout le monde et à une prochaine vidéo.